Bonjour, je m'appelle Bénédicte Garrido et je suis professeure d'espagnol au collège Fontfillol à Sifour. Et moi, je m'appelle Gloria Espinosa, je suis assistante de langue espagnole au collège Fontfillol. Dans cette vidéo, nous allons parler du travail du professeur de langue avec l'assistant en France. Alors, c'est parti! Nous avons, au début de l'année, planifié les horaires afin que l'assistante intervienne dans toutes les classes une heure par semaine. C'est l'idéal, car cela permet de construire une progression dans les différentes activités proposées, mais aussi, et c'est essentiel, de créer un lien entre l'assistante et les élèves qui la voient régulièrement et qui savent qu'il y a un suivi. Nous choisissons ensemble la thématique de la séquence. Par exemple, nous avons vu le muralisme ou les lignes de Nazca pour les troisièmes. Les vêtements, fêter son anniversaire pour les classes de cinquième, les classes de quatrième. Puis l'assistante propose une ou deux activités, donc soit une compréhension orale, soit une expression écrite, une compréhension de l'écrit, qui sont travaillées avec la classe. Et si le besoin s'en fait ressentir, nous pouvons co-animer la séance, sinon c'est l'assistante qui conduit la séance toute seule. Et dans mon cas, au moment de se mettre d'accord pour la préparation de la thématique, je peux demander à Madame Garrido son avis sur mes propositions d'activité ou elle peut me conseiller d'autres afin de bien mener le cours. Les élèves sont toujours très très contents. Ils attendent l'assistante avec impatience et ils sont heureux de travailler. L'ambiance est très agréable et les élèves apprécient beaucoup cette heure. Oui, avec cette ambiance de travail, et les élèves se sentent à l'aise pour poser des questions sur le thème que nous travaillons ou pour ajouter d'autres informations qu'ils connaissent sur un sujet. L'assistante peut être amenée à conduire la séance seule. Dans ce cas, je me place sur le côté ou au fond de la classe pour surveiller, pour diriger, pour conseiller. Et si Madame Garrido le considère approprié, elle intervient afin de renforcer l'information que je viens d'expliquer sur un sujet. Mais dans notre cas, nous sommes ensemble et nous faisons le cours à deux, lecture, compréhension, explication, pause. Pour ma part, je n'ai pas ressenti bien sûr de difficultés particulières, au contraire. C'est pour moi l'occasion de découvrir et d'apprendre tant sur le plan linguistique que culturel. Effectivement, et je pense que les différences culturelles sont très enrichissantes car dans ces cas, c'est un échange entre la culture française et la culture péruvienne. C'est une chance de pouvoir partager et d'apprendre avec l'assistante. Sa présence est une aide précieuse car elle permet, et il ne faut pas l'oublier, de travailler avec souvent des classes très chargées, 30 élèves. Donc, l'expression orale en interaction a, lors des cours avec l'assistante, toute sa place. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Nous vous remercions de l'avoir regardée. Au revoir.